et Radonar Mampian, la relance économique débute à Nousibi. Nous allons développer des emplois à Nousibi dans des activités autres que le tourisme. On a des solutions pour la Sirama et on va les mettre en œuvre cette année. Si je suis ici, ce n'est pas pour des discours, mais pour travailler, et je commence dès aujourd'hui. Le président Radonar Mampian a marqué son passage à Nousibi ce mardi par cette déclaration. Il promet ainsi la relance de l'économie nationale. L'île aux parfums sera donc considérée comme un modèle dans le secteur du tourisme. Nousibi accueillera un projet pilote parce que, selon le président, c'est une grande île à côté d'une autre plus grande. Nousibi a un avenir et l'État souhaiterait y apporter un souffle nouveau. Des réhabilitations sont prévues, telles que l'extension de l'aéroport de Fassen et la réhabilitation du port et des routes principales de la ville. Le chef de l'État a aussi réitéré sa ferme volonté de mettre en place un état de droit à Madagascar afin de combattre l'insécurité. Selon ses explications, nous sommes dans un état de droit et il faut que chacun sache que dans ce pays, il y a des lois qu'il faudrait appliquer. Tout le monde doit se soumettre à ces lois car c'est la base d'un renouveau au niveau social et économique. Le président Radonar Mampian a appelé à la contribution de tout un chacun dans la réalisation de tous ses engagements. Dans l'après-midi, il a tenu avec les autorités locales une séance de travail axée sur les directives diverses relatives à la mise en place d'un état de droit et le rétablissement de l'ordre sur cette île touristique de Madagascar.